Salut tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Mythoralité. Donc rappelez-vous, ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, on a brisé 20 mythes, et bien cette fois-ci on en brise encore 20 les gars. Et voilà, j'ai vu dans les commentaires, vous m'avez donné quelques mythes, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des mythes que vous voulez que je fasse dans le prochain épisode. Et en tout cas, pouce bleu, abonnez-vous, aujourd'hui on a pas mal de mythes à faire. Donc c'est plutôt pas mal, parce que bon, on a des nouveautés et tout, forcément. Et si vous avez des idées, encore une fois, dans les commentaires, on est parti pour le mythe, let's go. Ok les gars, c'est parti pour le premier mythe. Est-ce que un café, ça protège les balles de sniper? Ok, bon, je vais attendre qu'il bouge pas. Il est en train de boire son café, c'est bon. What the fuck, ça protège? What the fuck? Eh bien, oui, c'est réussi. Waouh. Un café, ça protège tes balles. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Ok les gars, c'est parti pour le prochain mythe. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Peut-on rentrer une grenade dans le trou d'un tank? Eh oui, parce que là, on a un tank, ok. On a le petit trou, vous savez, là où sortent les missiles. Est-ce qu'on peut rentrer dans le canon? Le canon? Oh. Ok, non. Ça n'a pas l'air de vouloir rentrer. Eh bien, je crois que non, ça ne rentre pas malheureusement. C'est impossible et bien heureusement, c'est échoué. On se retrouve pour le troisième mythe, à tout de suite. Ok les gars, on est parti pour le troisième mythe. On est cette fois-ci, les gars, eh bien, avec le BMX. Alors, il faut savoir un truc, c'est si tu sautes comme ça d'un toit, tu meurs. Dans la vraie vie, c'est pareil. En BMX, c'est pareil. Tu sautes d'un toit avec un vélo, tu meurs. Mais est-ce que sur GTA, le fait, eh bien, de sauter tout simplement, eh bien, d'un toit avec un BMX, ça réduit les dégâts ou pas? C'est ça la question qu'on veut se poser. Eh bien, malheureusement, non. Tu sautes d'un BMX, tu meurs. Hein, forcément, c'est du direct. Pour le prochain mythe, j'ai pris la lambeau. On va dégommer cette bouche d'incendie. Voilà. Est-ce que bah, l'eau d'une bouche d'incendie, ça fait voler? Attention. Oh, ça fait voler les gars, ça marche hein. Regardez, regardez. Oh, c'est stylé. Et c'est réussi les gars. Ça nous fait bien voler hein, voilà. L'eau nous fait voler, c'est beau, c'est beau. Bon, on en profite, on est juste à côté. Prochain mythe, est-ce qu'on peut casser, attention, une fenêtre, une vitre hein, un pare-brise avec nos pieds? Eh bien oui, on peut casser tout simplement les gars la fenêtre bah, d'une lambeau. Bon là en l'occurrence c'est une lambeau, mais n'importe quelle voiture, avec nos pieds on peut dégommer hein. On peut dégommer. What the fuck, ok. Eh bien c'est réussi pour le coup. Les gars, est-ce que si on jette tout simplement un cocktail Molotov sur un arbre, ça ne brûle pas? Donc c'est que ça brûle pas. Tu jettes du feu dans un arbre, normalement dans la vraie vie c'est censé un minimum brûler. C'est censé même brûler. Est-ce que là sur GTA, le fait de jeter, ça brûle pas? Donc c'est à dire que ça brûle pas. Ah, alors là c'est l'herbe qui brûle du coup. Ah 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 ah. Ah, l'arbre il prend un petit peu feu. L'arbre prend un petit peu feu. Attendez, on va tester de jeter à peu près là. Attention. Ah. Ah, ça brûle les gars. Et ça brûle hein. Hop, comme ça ça brûle. Ah si, ça brûle. Ok. Eh bien en fait si, ça brûle. Donc malheureusement c'est échoué. Ok, c'est parti pour le prochain mythe. Magnifique piscine hein, vous connaissez ces fameuses villas, on a fait pas mal de jeux là-dedans. Alors, le mythe c'est, est-ce que si je jette une grenade dans une piscine, dans l'eau, bon en l'occurrence c'est une piscine, est-ce que on survit? Voilà, peut-on survivre? Attention. Regardez là, je suis dans l'eau, ok. Pour l'instant rien de ouf. Maintenant je vais jeter ma petite grenade et je vais aller dans l'eau. Regardez, attention, est-ce qu'on survit? Est-ce qu'on survit? Est-ce qu'on survit? Eh bien, malheureusement, on ne survit pas. Ce n'est pas confirmé. Et c'est un échec. Allez, c'est parti pour le prochain mythe. Peut-on tuer un PNJ avec une boule de neige? C'est ça la question. Regardez, il y a un PNJ ici. Je vais lui jeter ma petite boule de neige. Est-ce qu'il meurt? Attends, je vais le cavaler, toi, viens ici. Attention, il meurt? Mais dis pas qu'il est mort. Oh shit! Confirmé! On peut tuer un PNJ avec une boule de neige. Let's go! Let's go pour le prochain mythe. Peut-on sauter de bâtiment en bâtiment? Alors ça, c'est vrai que c'est un mythe plutôt compliqué parce que ça dépend lesquels bâtiments on choisit. Il y a des bâtiments qui sont collés. Mais là, en l'occurrence, j'ai pris un bâtiment plutôt bien écarté. Attention, let's go, vas-y, Franklin!
Non, on peut pas. On n'est pas des super-héros non plus, à part si on met des super jumps, là, à la limite, tu peux sauter en version cheatée, quoi. Mais sinon, tu ne peux pas, malheureusement. Ça dépend lesquels, mais en l'occurrence, là, tu peux pas. Bam, 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 prochaine, let's go! Alors, est-ce qu'on peut, tout simplement, les gars, agresser un PNJ avec une boule de neige? C'est vrai. Est-ce que le policier nous arrête? Est-ce qu'on se fait arrêter en l'agressant? Eh bien, j'ai ma petite boule de neige, hein. J'ai mon petit. J'ai mon petit policier. Et je vais le. Bah, je le menace, hein. Je le menace avec la boule de neige, il me regarde. Il a pas l'air de vouloir pas m'arrêter. Il me suit pas mal du regard. Regardez, regardez comment il me suit du regard. Regardez sa tête, comment elle me suit. Limite, il se tord le cou. Attends, si je vais là, si je vais là. Oh, il me suit. Eh bien, ce n'est pas confirmé. Malheureusement, on ne peut pas. Bah, on n'est pas arrêté en fait. Il nous arrête pas. Voilà, il nous arrête pas du tout. Ok, prochain mythe. Je suis dans un club de golf. Hello, I am on the club de golf. Je suis dans un club de golf. Est-ce qu'on peut tirer sur des balles de golf avec un gun sans que ça se pète? Eh bien, attention, c'est parti. Eh bien, c'est confirmé. Ça marche, hein. Regardez les balles de golf, elles sont là. Ok, prochain mythe. Attention. Est-ce que si j'explose le parc d'attraction, donc l'attraction qui est ici, là, simplement le grand 8. Hop, est-ce qu'on peut l'utiliser? Donc là, je l'ai bien dégomme. Hein. Regardez, attention, je vais monter dedans pour voir si ça marche. Et bah, ça marche. Ça marche. Hein. On peut pas en fait l'exploser. Et je suis vraiment en train de. Je suis vraiment en train de l'utiliser. Bon, pour le coup, malheureusement, eh bien, c'est un échec. Hein. Ce n'est pas confirmé. Allez, prochain mythe, souvenez-vous, on était avec le BMX tout à l'heure, mais maintenant, est-ce que si on saute avec la voiture, on meurt? Allez, c'est parti, let's go. On est au-dessus de la Maze Bank, attention, attention, attention. Dans la vraie vie, techniquement, on est censé mourir avec le choc. Eh bien, non. Eh bien, on vit notre meilleure vie sur GTA. Tu peux reconduire derrière, tu peux taper des 3-6, tu peux un peu tout faire. Quoi. Vraiment, vraiment, tu kiffes ta vie, quoi. Ce n'est pas confirmé, malheureusement. Ok, si je vous dis que cette fenêtre est très bizarre, c'est le prochain mythe. On a Michael, sa meuf Amanda, ok, sa femme. Et on a une fenêtre. Derrière cette fenêtre, normalement, on est censé les voir, techniquement. Est-ce que cette fenêtre est buggée? Est-ce que cette fenêtre est une fenêtre très bizarre? Alors, on va voir ce que ça donne. Regardez, hop, je vais mettre de l'autre côté. Je suis avec Franklin. Et regardez, derrière cette fenêtre, il n'y a strictement personne. Personne. Donc, c'est échoué, malheureusement, c'est une fenêtre buggée. Il n'y a personne. Et regardez, ils sont bien là. Hein, je vous remonte. Ils sont là. Hein, ils sont juste là. Mais quand je me mets à la fenêtre là, eh bien, on les voit pas. Cette fenêtre est une fenêtre chelou. Ok les gars, on est parti pour le prochain mythe. Regardez, je suis avec Michael. Est-ce qu'on peut tuer un membre de sa famille? Bon bah techniquement, on est censé le faire. Attention, avec un RPG, on va tester. Hein, c'est mon petit gosse. Il est mort, what the fuck les gars. Eh bien malheureusement, c'est confirmé, on peut tuer un membre de sa famille. Ah oui, il est carbonisé, what the fuck. C'est parti pour le prochain mythe, regardez, j'ai 4 étoiles actuellement. Hein, j'ai 4 étoiles, il y a les flics qui arrivent. Est-ce que, tout simplement, ce mur, là, avec cette magnifique dame, ça protège de la police? C'est ce que nous allons voir. Regardez, je me suis placé tranquillement dedans. Ça protège! Les gars, je suis pas en invincible, hein. Je vous le dis, je suis pas en invincible. Ça protège vraiment. Je suis choqué. Regardez les balles, bon, on voit les balles de toute façon. Ok, eh bien c'est confirmé, ça protège vraiment des balles. Wow. Confirmé. Attention, prochain mythe. Est-ce qu'on peut faire un plongeon dans le vide? C'est-à-dire que un plongeon, mais sans sauter dans l'eau. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Attention, tout de suite, let's go, vamos. Hop là! Non! What the fuck, le gars il vient de faire un plongeon dans le vide. Effectivement, donc il y a un petit souci ici sur GTA qui va réparer. Malheureusement, on peut faire des plongeons dans le vide et c'est confirmé. Let's go. Let's go pour le prochain mythe. Celui-là il est pas mal, les gars. Alors attention, on a un camion pompier avec des pompiers. On a un feu, donc il vient d'exploser un véhicule. Mais est-ce que si je brûle tout simplement leur propre camion pompier, est-ce qu'ils vont éteindre leur camion pompier? Regardez, les pompiers ils vont tous vers là-bas. Donc le mythe c'est. Est-ce que le fait de brûler un camion de pompier devant des pompiers, bah, tout simplement, ils vont brûler, enfin, ils vont arroser leur camion de pompier.
Regardez. Non, ils sont en train de fuir. What the fuck? Vous faites quoi là? Eh, les pompiers! Les pompiers, il y a le feu! Les pompiers! Ok. Eh bien, échoué. Malheureusement, les pompiers, bah. Bon, j'ai carrément foutu l'anarchie dans le jeu, les gars. What the fuck, j'ai fait plus qu'un feu là. Ok, bon, bah, les pompiers ne viennent pas la rescousse de leur canon pompier. Bon, c'est bizarre. Mais malheureusement, c'est chaud. Ok, les gars, est-ce que les PNJ, ils ont peur de la balle de chope? Déjà, la balle de chope, je vais l'acheter à côté d'eux. What the fuck, ils ont peur? Ils ont peur? Ils ont peur de la balle de chope, je suis choqué. Eh bien, oui, ça marche, les gars. Et du coup, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était mythe ou réalité. On a brisé 20 mythes. Voilà, on a résolu 20 mythes de GTA. Dites-moi dans les commentaires quel prochain mythe vous voulez que je fasse dans les commentaires. Voilà, vous me le dites. Hein, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, je le fais. En tout cas, on se sait là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, pouce bleu, like, partagez. Ciao, ciao.